Allez, petit voleur. Ah, applaudissez notre prochain condamné. Je veux dire concurrent. Il a de grands espoirs, il rêve en grand. Il a signé une clause de renonciation à toute poursuite judiciaire. Mais qui fait ça? C'est le voleur. Attendez. Attendez, cette histoire de dés, c'était littéral. Tout est littéral avec moi. Alors, dites-moi, petit voleur, qu'est-ce qui t'amène dans mon arène de des destins fatidiques? Ok, un dé. Bon, alors mes amis n'ont pas l'air de prendre tout cela au sérieux, mais moi si. Et j'ai la ferme intention de remporter $1 milliard. C'est tout? Ouais, si tu peux gagner tout ce que tu veux. Et que feras-tu avec tout cet argent si tu gagnes? Tout ce dont j'aurais envie. Pour les restants de mes jours. Oui, à la fortune sourit aux audacieux. En tout cas, c'est ce que croient ceux qui ne m'ont jamais rencontré. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a comme attaque déjà de base? On a une petite dague. Ah oui, je crois qu'on a moins de PV. Mais on peut faire beaucoup plus de dommages. Donc la dague, c'est réutilisable. Ah oui, mais c'est maximum, c'est des 3. Grâce au rossignol, on peut casser des dés en deux. Et ça, c'est bien. Donc là, en fait, faut pas faut jouer à petit dé. Et pas gros dé. Les 6 ne nous sert absolument à rien. Pour le moment. Et on a lancé foireux. Ouais. D'accord, c'est autre chose. Comment ça on a IP large? Aveugle man que j'ai été? Peut-être. Let's go. En un tour. Merci. C'est normal. Pourquoi j'avais épée là? Ça a bugué. La lance boulette. Ah, celui-là, on l'aime bien. Attends, je vais le mettre là. Parce que si on a épée large. What? En fait, on a un truc aléatoire. C'est le lancer foireux qui fait ça? Oh, bizarre. Ah, c'est embêtant. Ah, j'aurais peut-être dû faire les dégâts avec la bouboule. C'est pas grave. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est ça. J'aurais peut-être dû me sacrifier à la vie. Et voilà. On va pas se brûler. On va patienter. Ah non, c'est lancé pour eux. De toute façon, on va pas l'utiliser. Ah, ça casse un dé en deux, mais un peu aléatoirement au pif, quoi. D'accord. Incroyable. Oh la guimauve brûlant. Ah, c'est quoi? Obtenez 4 dés à 1. Ah! Intéressant. Si je fais lui. Ah! Ça, c'est beau.
Ouais, on va l'utiliser. En fait, non. Pourquoi j'ai... Oh, c'était mauvais. Ah, soit on peut avoir la chance entre 3-3. Ça, c'est cool. Mais sinon... un peu plus compliqué. Ah mais ça monte vite. Bon, après nos PV ils prennent un peu cher. La multitude de couteaux. Couteau noken. Sauf on a pris vraiment cher. Ajoute un minoration des dégâts reçus. Petite armure en cuir. Intéressant. Au final, lui, on va le mettre là. Ah, déjà, la difficulté est un peu plus chaud. Réduit de 1-1 tous les décomptes. Ah, ah mais on en a qu'un. C'est pas forcément le must. Alors toi, on va faire ça. Ouais. Ouais, on va tester. C'est qu'on prend juste un dégât en moins. Ah, c'est mieux que le bouclier. Enfin, quoi que. N'espérons pas de crever. La piquant. On n'a pas de croix, ce qui est embêtant. Ouais, c'est ça. Ah, je peux voir les coups ennemis. Ok. Tac, 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 ça fait 9. Je ferais pas une minoration plutôt. De toute façon, on le tuait pas. C'est bon, il va pas nous faire de dommages. On a gagné. Ouh! Assure que le guerrier, tu bourrines un peu, là... Réduit de temps les décomptes. Ouais, pied de biche, c'est cool, mais... inflige un poison. Ah, un petit poison... un petit poisonnade. Peut être stylé. Parce que si on... On essaye de... Voilà. Ça c'est peur. Ah, c'est un coup de boule. Alors. On va faire ça. On va jouer poison. Non, je peux pas. Donc c'est un impair. Au moins on sait.
Ah, c'est au-dessus de 2. C'était peut-être le 3. Non, c'était le 5. On va minorer. Bon, après, il a pas de... il nous attaque pas. Il nous cécite. De dommages. En vrai, c'est assez fort. Il meurt. Yeah. 0 perdu en PV. Dans le shop, qu'est-ce qu'il y a de pas mal? Vol 1 PO une fois par combat. Duplique un dé. Ouh. Le cristal de soin peut être intéressant. Plus on a nos 6. D'ailleurs, on va mettre ici la lance boulette. Et l'armure en cuir, au final, si on a ça, le rossin... cristal de soin, peut-être l'enlever. On va voir. Le poison. J'aime beaucoup. On va aller améliorer. Casser ces idées-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut lui mettre la max direct. Ah, il nous faut plus, beaucoup plus de dés quoi. En vrai, si le rossignol il pouvait casser en 3 et pas en 2. Et j'avoue, ce serait assez fort. Et on va le faire le lancer pour eux. Tac. 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 5 de dommage. Max 3. Restauration. Ouais. Pas très convaincu. Surtout qu'elle nous poisonne aussi. Ah, c'est pas mal. Trois d'un coup. Ça fait 6, ça ne peut pas assez. Je me restaure. Normalement, on devrait gagner. Quoi? Comment ça? Oh! Oh, c'est pas la win! Oula! Attends, mais. Je peux pas tuer? Bah, il y avait. C'est quoi cette. cette arnaque?
Le jeu qui m'arnaque. J'ai perdu tellement de PV à cause de ces conneries. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? A plus 1 dommage. Aiguille 5 fois. Cristal de soin. Ah, ça soigne un poison. Casse. Ah non, sur un D6, casse le dé en 3. Ouais. Attends. Dague, c'est peut-être pas ce qu'on va utiliser le plus. Et max 4. Le son de poison, c'est pas mal. On va peut-être le rossignol sur un D6, sur un truc. Survivez au prochain coup fatal. Ouais, restore. Trousse de soins, quoi. On peut pas? Ah, on a pas assez. Et le bandage. Sonne-toi. Sauf il nous faut de l'XP. Il résiste au poison. Peut-être le lance-boulette, c'est pas mal aussi. Inflige 3 de poison. Mais d'une violence. Ça sert à que dalle. C'est vrai que le poison, il y en a beaucoup qui y résistent. Donc, le soin poison aurait été pas mal. Oh, le 10, mais on va crever. Ça fait cuit de dommage. Et là, en fait, ça nous en donne que 4. Oh, c'est la fin. Là. Oh, c'est la mort. Mais on a déverrouillé le robot. Incroyable. Ouais, j'ai mal joué à un moment et c'était pas ouf. On s'est fait exploser. Bon, on va essayer une prochaine fois.